Tout le combat de Jésus contre le mal et l'esprit du mal. Et Marc l'a demandé, vraiment, il n'en parle et il n'en parle pas. À sa démarche. Quand on l'a vu, Jésus est au combat. Il est tellement au combat qu'on dit, ah, non, mais il a de notre village. C'est quoi la fin de lui là-bas? Si on ne va pas, ah, il va mourir. Il a perdu la tête. Alors on va le chercher, on va le sauver. Tellement que Jésus n'a pas de temps pour lui. Il est au combat. Et son combat, c'est quoi? C'est de vaincre le mal, c'est de vaincre le diable, c'est de vaincre Satan, le menteur. Voilà le rôle que Jésus s'est assigné. Il était tellement au combat qu'il n'a pas de diable, même quand on va manger, il n'en est pas. Il dit, ah, nous on a fait pour nous, on ne s'est pas marché. La réussite est à l'aide, va avoir ton fils. On passe par la main. Maintenant, le Seigneur est venu appeler mon fils. Les parents attendent de dire qui sont mes parents. Voilà, c'est toute ma maman et il avait ta frère. Ce sont mes mamans, ce sont mes frères et sœurs. Jésus de l'Est dit, je dis que le lien spirituel est plus fort que le lien de sang. Et donc, c'est qui va de nous, la fils et fille de Dieu, c'est quand on a le tour de Dieu. C'est quand on a repris ça à Dieu, on est son enfant, on est sa fille, on est son fils. Et donc, depuis là, quand Jésus a mené ce combat, et il a vaincu, nous dit la deuxième vertu, en ce moment-là, tous ceux qui attendent cette parole-là, qui l'accueillent dans leur cœur et qui en vivent aussi, tu vas leur permettre de mener ce combat personnel et surtout d'entrer dans le roi de Jésus, nous dit la misère. Sinon, avant Jésus, personne ne pouvait vaincre le démon. Avant Jésus, le lien était brisé. On ne pouvait plus avoir une relation avec Dieu. Et c'est cela qu'on dit qu'il y a le lien qui a fait entre Dieu et les hommes. Et d'ailleurs, c'est le grand médiateur, c'est le grand médiateur, entre Dieu et les hommes. C'est vrai qu'il y a le lien, le pont était assez brisé entre Dieu et les hommes. Il est venu briser cela par quoi? Par le pont de sa vie sur la croix. Il a versé son sang sur cela. Et ça sera que son sang est plus fort que celui d'Abel. Et ça sera qu'il est le seul capable de nous sauver. Personne ne peut nous sauver. Alors donc, quand on a compris ça, souvent, on a entendu la parole, on est capable, plus fort, de souffrance, pour pouvoir préparer notre ciel. Et c'est de cela qu'on nous a dit dans la deuxième vie. C'est vrai, on souffre, c'est vrai, c'est dur, mais celui qui va persévérer, celui qui va croire jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Et c'est cela que, frères et sœurs, on mène le même combat. Nous sommes dans la même famille, à cause de notre foi et à cause de notre baptême. Nous sommes dans la même famille. On forme une seule famille. On a un seul père. Alors, frère que Jésus aborde la question de la division de l'énergie. Adieu, c'est Jésus-là, ça c'est vers vous. Par le Seigneur des démons, ça c'est des démons. Ah, vous l'avez bien compris. Comment le démon peut chasser son ami démon? Il dit, et après les deux, c'est le bon sens. Et il va même le descendre, il dit, mais si dans une famille, il y a des divisions, c'est que la famille est perdue. C'est que c'est fini. La famille est perdue. Tout va s'écrouler. Donc, moi, c'est pas les démons que je les chasse. Et vous aussi, c'est pas qui les chasse. Ah, là, il commence à être bouché. Et puis, par la même chose, il n'a pas de mal. Tout l'envie de le tuer. Ah, après le monde, vous voyez un peu. Alors, frères et sœurs, je reviens là-dessus. Nous sommes tous dans la même famille, dans le même bateau. Si on est divisé, le bateau va se couler. Et si le bateau se coule, personne ne va échapper. Tous nous allons périr. C'est ça. Le plus grand bien qu'on va faire dans nos groupes, mouvements et associations, c'est...